Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à la forêt de Rougeot en Seine-et-Marne. Donc plus loin se trouve la vallée de la Seine et de l'autre côté, Carré-Sénart et Savigny-le-Temple. Donc le but de cette sortie, c'était justement de trouver les trois bornes géodésiques, c'est-à-dire les bornes IGN. Donc nous les avons trouvées. Alors les deux premières, elles étaient un petit peu particulières. Et la troisième, elle est située juste ici, à côté d'une petite mare. Donc, vous vous demandez sûrement à quoi sert cette borne. Alors ce n'est évidemment pas une personne célèbre enterrée ici. Donc cette borne elle a pour but de préciser notamment l'altitude. Donc nous ici nous sommes, alors je vais vous dire dans quelques secondes. Alors, nous sommes exactement à 86 mètres d'altitude au carrefour du Grand Veneur, très exactement. Voilà, donc là où se situe la borne, nous sommes à 86 mètres. Voilà. Donc alors, nous sommes en automne, hein, donc forcément, la plupart des forêts se sont métamorphosées. Donc voilà. Fin du reportage sur la forêt de Rougeot et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Nous voici maintenant sur les coteaux de la Seine, en lisière de la forêt de Rougeot. Donc superbe vue sur la vallée de la Seine, grâce à un sentier côtier. Donc le sentier à droite et la Seine juste là, avec cette superbe vue panoramique sur vers le Coudray-Monceau.